Bonjour Fabien. Bonjour Jacques. Nous sommes très heureux que vous nous receviez au Golf Club de Toulouse. Vous en êtes d'ailleurs le directeur et nous aimerions que vous nous présentiez votre clubhouse, le lieu de vie, le restaurant, le bar. Le golf, nous le connaissons très bien puisqu'au niveau national et international, nous savons ce qui se passe. Alors, merci Jacques de nous permettre de parler un petit peu d'effectivement ce lieu de vie convivial qui est... c'est une des valeurs fortes du club, la convivialité. Et ce clubhouse a été construit, rénové plusieurs fois dans cette optique-là, la première fois en 2006 et tout récemment, pendant la première session de Covid en 2020. On a profité pour faire quelques travaux puisque nous avons internalisé la restauration dans les activités du golf à proprement parler, avec la vraie volonté de créer ici au Golf Club de Toulouse un vrai lieu de vie. On a eu depuis des années, des décennies, l'habitude de retrouver tous nos membres le dimanche soir lors des remises des prix des compétitions qui sont organisées, on va dire, 6 ou 7 mois par an. Et les membres ont toujours eu beaucoup de plaisir à se retrouver sur ces instants conviviaux. Ouais, donc sur la partie restaurant, on a 10 employés aujourd'hui avec une alternante même, aux apprentis. Voilà, pour ouvrir un service du lundi au dimanche, tous les midis, et le soir du jeudi au samedi. Ensuite, sur la partie golf, nous avons deux personnes qui sont titulaires à l'accueil avec des missions complémentaires sur la gestion de la boutique et sur l'école de golf et le club des partenaires. Et nous avons recruté deux alternants qui s'occupent de toute la partie événementielle, compétition, animation pour les autres du club avec différents groupes de jeux comme le GCT Senior Tour qui se joue actuellement ce matin, et un second, Baptiste, qui s'occupe de toute la partie communication. On avait la vraie volonté de créer des visuels de qualité. Bonjour Thierry, nous sommes heureux que tu nous reçoives devant ton four. Qu'est-ce qui t'a amené à Vieille-Toulouse et quel est ton projet, s'il te plaît? Ce qui m'a amené à Vieille-Toulouse, c'est depuis l'an dernier, c'est que Fabien m'a rappelé pour un projet de reprise de restaurant et le projet me plaisait depuis plusieurs années, donc je suis revenu avec grand plaisir. Le site est génial, donc les clients sont top, donc ça me fait super plaisir d'être là. Est-ce que vous pourriez, Thierry, en tant que chef, nous présenter, nous dire quelle est votre spécialité, quels sont les plats avec lesquels vous êtes le plus en harmonie entre vous et les golfeurs ou entre vous et les clients? Oui, bien sûr. Alors, le plat que j'affectionne le plus à la carte, on va dire que c'est celui que j'ai mis bien en place, c'est le tataki de thon avec la mousseline de patate douce. Ça, on va dire que c'est un peu mon plat signature, avec la petite marinade qui va bien avec. Après, mon style de cuisine, on va dire que c'est une cuisine qui est un peu fusion, qui mélange un peu plusieurs styles, un peu plusieurs cultures, parce que du coup, je mélange un peu de cuisine asiatique, un peu de cuisine créole, même si ça ne se voit pas toujours. J'utilise certains produits comme l'huile de coco, la sauce soja beaucoup. Donc on va dire que c'est une cuisine qui se dirait un peu fusion et qui se mélange avec la cuisine française. Merci Thierry, quai des raids et bonne continuation. Merci beaucoup, au revoir. Un petit bonjour. Nous vous convions à venir tester l'expérience de notre clubhouse et de notre parcours dès que vous le pouvez pour un bon moment de convivialité. Merci Fabien de...